Can Football Club d'après-match, dimanche matin, lendemain de veille, de Drogba cité. Donc, en un mot, les gars, essayez de me parler un peu de la victoire. Un seul mot, et ce mot-là ne doit pas être Didier Drogba. Ok ? Donc, allez-y. Moi, je dirais spectacle. Moi, je vais aller positivement avec risque, puis négativement avec Maxime Tissot. On a dit un seul mot, mon gars. Moi, en un seul mot, je dirais mémorable. Mémorable. Ouais. Est-ce que tout de suite, est-ce que, bien vrai, avec un débat vraiment, vraiment MLSien que j'ai vu dans sur le compte de Ben Jatta, est-ce que vous pensez que c'est mauvais pour la MLS qu'un joueur de 38 ans, à sa première titularisation, 37, à sa première titularisation, met 3 buts? Je vais commencer. Fact or fiction. Est-ce que c'est normal? Fact. Après, ça dépend du niveau du joueur. Drogba, on s'entend que c'est clairement un niveau au-dessus de la MLS. La MLS n'est pas l'un des grands championnats au monde en ce moment. Chelsea, Drogba était à Chelsea l'année dernière encore et Mourinho le faisait jouer quand même régulièrement. Et en plus, là, c'est là que je termine avec l'âge de Drogba pour qu'on arrête le débat une fois pour toutes. Le style de Drogba n'est pas du genre à l'user physiquement. Ah, mais tu vois, moi, je dirais le contraire, justement. Il joue dans le but. Ouais, mais justement. Il peut rester. Tout ce qu'il a, c'est un combat physique, mais il n'est pas du genre à énormément courir. Ce n'est pas le gars qui va courir dans le dos des défenseurs. Ce n'est pas le gars qui va énormément décrocher. Il peut rester en place et quand même bien jouer et quand même apporter à l'équipe. C'est pour ça que je considère que Drogba, son style, peut lui permettre de jouer jusqu'à 40 ans. Même plus, peut-être. Pourquoi pas? Bah, c'est intéressant que tu dises ça, parce que moi, justement, je trouve, par rapport à son style, c'est pas un gars qui va juste être bien placé comme un renard. C'est un mec qui va se battre pour ses ballons. Et physiquement, justement, au contraire, c'est usant. Tout le match, il était au duel. Et c'est fatigant pour un attaquant d'être au duel tout le temps. Donc, je me dis, à 37 ans, à chaque fois il gagne ses duels, quel est le niveau de ces défenseurs-là, quoi? C'est des défenseurs qui sont dans la fleur de l'âge et puis ils se font battre en duel. Oui, c'est une force de la nature, Drogba, on le sait. Merci, voilà. On le sait. C'est l'argument. Sûr. Sauf que je trouve ça… Mais tu te réponds à toi-même par l'argument. Oui, non, je réponds à la question de Sid. Pour moi, il n'a pas besoin de courir. Sa force physique fait que naturellement, il peut battre les défenseurs. Son intelligence fait qu'il peut battre les défenseurs par son placement. Il n'a pas besoin d'énormément courir. Il a moins de risques de blessure qu'un Divayo, par exemple. Fred, t'en penses quoi? Moi, je suis d'avis que ce joueur-là, pour les puristes, tout le monde s'entend que le joueur est en haut du niveau de la ligue, peu importe son âge. Même à 40 ans, il va être encore capable de battre des Charles Marshall et des Omar Gonzalez. Cependant, quelqu'un qui regarde juste les résumés de match voit que Drogba a marqué 3 buts en 60 minutes. Il se pose la question, il dit justement, est-ce que ces joueurs-là, ils ont été mis là parce qu'ils avaient un bon physique ou parce qu'ils savaient jouer au foot? En même temps, tu ne trouves pas ça un peu bizarre qu'on soit là à parler du niveau de la ligue quand Drogba met un triplé à 37 ans? Et lorsque Lampard et Pirlo commencent mal leur arrivée en MLS, d'ailleurs, on a parlé sur la page Facebook du Football Club, tout d'un coup, bah oui, la MLS, c'est pas un country club, attention, c'est compliqué, etc. etc. Il n'y a pas une sorte de bipolarité dans l'analyse qu'on fait de la MLS en fonction des performances de DP? Oui, exactement. C'est toujours en fonction du succès. Puis là, on trouve un joueur qui, à ses premières minutes, est capable de fit dans le système de jeu, ben, s'il y a un de l'impact, et a vraiment été dominant parce qu'il avait des qualités au-dessus. Si on regarde ses buts, là, c'est en une touche qu'il bat ses défenseurs. C'est pas, il n'est pas parti du milieu de terrain à déjouer tout le monde. Je pense que c'est juste un joueur qui est vraiment haut du niveau, tout simplement. Reg, Drogba, c'est le gros centre qu'on attendait à Montréal. C'est le gros centre, le centre numéro un qu'on attendait à Montréal. Mais il fit parfaitement. C'est l'impact par rapport, comme je reprends les propos de Fred, le style qu'ils ont, s'ils ont un style, c'était il fallait un attaquant de puissance. Et c'est ça qu'ils ont eu et c'est incroyable. Même Piatti était sublimé, quoi. Il est comme, enfin, j'ai un gars avec qui je peux jouer qui va comprendre ce que je fais, quoi. Justement, parlons de ça, le coup franc qui mène au deuxième but de Drogba. On est d'accord que Piatti n'a jamais fait une action comme ça depuis qu'il est arrivé à Montréal et que ça prend un joueur comme Drogba pour… Une première intention de passe sur Piatti, c'est nouveau. Ah bah, on a vu ça avec Divayo un petit peu l'an dernier. Moi, je pense que c'est bien et ça va le tirer vers le haut et c'est tout bénef pour l'impact. Parce qu'un joueur comme lui, il est capable de faire ce genre d'action.
Et il y a une scène qui m'avait marqué, son premier mi-temps, Drogba, il fait un appel avant que Malas ait le ballon. Et quand Malas a eu le ballon, la logique aurait été qu'il joue à une touche de balle vers Drogba et Drogba, il a levé la tête en mode « mais lâche la balle ». Mais non, mais Malas, il ne peut pas jouer comme ça. Piatti peut, Map peut-être. Mais voilà quoi. Et je trouve là, tu vois, ce genre de Drogba, c'est ce qui va faire que les joueurs commencent à jouer comme ça. Ah oui, non, c'est ça. Il tire tout le monde vers le haut. Je l'ai vu hier. Il parlait à tout le monde tout le long. Et même si. Fred, ce que tu as dit là, genre comme j'ai déjà vu très souvent avec Higuain du coup, okay. Il est très souvent deux secondes d'avance dans la merde, dans la compréhension du jeu et s'attend à ce que les joueurs comme lâche le ballon même avant même qu'il l'ait. Et je trouve ça assez intéressant de voir ce comportement un peu de la même façon chez Drogba. Donc là, tu vois quand même l'impact du joueur parce que Piatti était peut-être celui qui devait tirer ses côtés pieds vers le haut. Puis avec Drogba, genre comme là maintenant, la couverture se tire de manière exponentielle. Et c'est bon, une belle énergie de la part de l'équipe. Êtes-vous inquiet, genre comme 3 buts encaissés comme ça par une des pires équipes de la Ligue, Fred ? Simon n'était pas là. Vas-y, Fred. Ouais, ben, on alignait une défense qui n'avait jamais été alignée ensemble depuis le début de la saison. Teya en défense centrale a pas mal joué, mais je pense que le fait que Maxime soit hors position, ça lui a nuit, puis ça l'a nuit à l'équipe. Si on regarde, il y a 2 buts qu'il était hors position, Teya a défendu, ça a donné une situation avantageuse dans la surface. Je pense que c'est tout simplement un mauvais casting pour le match, on pouvait pas faire mieux. Grosso modo, si on regarde individuellement, les joueurs ont pas mal fait, cependant le collectif a malheureusement échoué. Moi, je suis d'accord. C'était une défense inédite. On ne pouvait pas non plus. C'est drôle, hein, parce que quand j'ai eu la formation, je suis ouais, mais pourquoi il n'a pas mis lui au lieu de. Et après, le mec, il me dit en fait, il n'y a personne sur le banc. Alors, c'est les seules options qu'il y avait, c'était ça. À rigueur, il y avait peut-être Camara, mais à mon avis, il était trop juste. Il était trop juste. Sa première semaine d'entraînement en 6 mois. Donc, c'était vraiment le seul potentiellement qui aurait pu prendre la place de, je ne sais pas, soit Rio Coke, et puis, ou peu importe. Mais même, comme tu dis, je suis d'accord, ça n'a pas été mal. C'est vrai que collectivement, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Mais avec les retours, à mon avis, on ne prend pas. Collectivement, tu parles de la défense. De la défense, ouais. Ok, très bien. On ne prend pas 3 buts avec les retours des cadres, quoi. Alors, je pense avec. Malgré ça, je pense j'aimerais qu'on focus toujours sur la défense. Vandrine Lefebvre, qui selon moi a fait un match très intéressant. Je ne sais pas si vous partagez la même analyse. J'ai trouvé juste dans la relance. Vraiment. Je suis très critique parfois de ces relances. Car il essaie toujours de bien faire et parfois met en difficulté ses coéquipiers lorsqu'il relance. Tu sais, le souci de relancer propre a déjà causé des buts. Mais là, j'ai trouvé très, très patron. Est-ce que vous pensez que ça peut déjà challenger Cabrera qui était installé comme la paire avec Simon? Moi, je veux répondre parce que ça fait quelques mois que je vous le dis. Ça fait quelques mois que je considère que Lefebvre doit commencer aux côtés de Simon. Quand Lefebvre a joué avec Cabrera, on a vu que c'était lui qui était le leader de la défense. Hier, on a encore vu que c'était lui le leader de la défense. Tu me diras, c'est normal, il n'y avait aucun autre défenseur central naturel. Mais par son style, par son entente avec Simon, j'ai toujours considéré que c'est lui qui devait jouer avec Simon. Et Cabrera s'était installé juste grâce aux erreurs de Lefebvre qui ont fait que Klopas l'a puni pendant plusieurs matchs de suite. Donc, Cabrera s'est un peu installé par défaut. Selon moi, c'est Vandril qui a la place dans la défense centrale. En plus, c'est un gars de la place. Il est apprécié par le public. Il a fait un geste hier après son but qui va probablement lui faire gagner des points aussi, d'aller voir l'entraîneur pour justement le féliciter pour son premier match. Et ça, pour moi, c'est Simon Lefebvre. Moi, déjà, le truc de gars de la place, je ne peux pas l'accepter. Si c'est un gars de la place, il n'est pas bon, il ne joue pas. Donc, moi, mais mis à part. Je suis d'accord avec toi. Je dis que c'est un plus. Après avoir donné tous mes arguments, j'ai rajouté le fait qu'il était apprécié par le public. Et je vais revenir sur tes arguments. Moi, je suis friand des défenseurs centraux doivent avoir des styles différents pour être complémentaires. Et moi, je trouve justement que Lefebvre et Simon, ils ont le même style. C'est deux défenseurs qui jouent beaucoup sur l'anticipation pour aller intercepter les ballons genre en première intention. Donc, quand on a deux comme ça, je ne sais pas si en a un, il va modifier son jeu ou pas, mais si les deux jouent en même temps, ça va être deux personnes, tu vois, qui vont souvent aller vers l'avant, donc ça va laisser des trous derrière. C'est plus ça qui me fait peur. Et ouais. C'est bien que Simon ne soit pas là, parce que tu as vu que Vandril, tu vois, qu'il bénéficie vraiment de la présence de Simon à l'entraînement, parce que comment il joue,
tu vois qu'il a vraiment appris d'un gars comme Simon, parce que j'avais l'impression de voir Simon hier. C'était je suis 100% d'accord avec toi, Reg. Puis il faut pas oublier que, je sais pas si vous avez remarqué, les 15 premières minutes, Vandrey était plus ou moins en confiance. Il a fait des relances assez douteuses. Je sais pas si vous vous rappelez, un directement dans exactement, les passes. Comme, là, tu vois, j'ai ces chiffres au sujet de la qualité de passe. Puis je pense qu'il est en dessous de 70%. Ça a été difficile en début de match. Ça, par rapport à Toya, qui lui a 89% de voilà, il a 71% de passes pour réussir pour Vandril, comparativement à Toya qui joue à ses côtés, qui était à 89%. Maintenant, c'est ça. Donc il y a toujours ce volet où Vandril, il cherche aussi la bonne passe, il cherche à relancer le jeu. Donc ses passes sont plus risquées que celles qui sont prises par son coéquipier du jour. Mais oui, genre, comme je vois un peu. Et le problème aussi, c'est qu'il faut qu'il apprenne à garder confiance, à même après une passe ratée, genre, exact. Comme, de se dire bon, c'est des choses qui peuvent arriver, de garder confiance et puis voilà. Donc je sais pas, c'est un peu compliqué. Moi, je me demande parfois est-ce qu'il faut qu'il change son jeu, qu'il joue un peu contre nature pour faire la sécurité. Et parfois quand il donne le ballon à Bush et Bush, on voulait vraiment pas. Sid, j'ai une question. Est-ce que tu as le nombre de passes tentées par Toya et le nombre de passes tentées par Vandril? Je peux te trouver ça. Comme... Parce que moi, tout ce que j'ai vu Toya faire, c'est donner la passe à Vandril. Non, il a fait des relances magnifiques à Drogba, du pied droit sur le numéro. Il a été incroyable. Tu parles de Toya, là? Oh, Toya a fait des passes du pied droit. J'ai vu faire des passes du pied droit sur le joueur des lobes en début de match. J'étais ébloui. Toya, c'était propre. Toya, souvent, il cherchait Map, il cherchait les ailiers, il cherchait Romero. C'était des transversales. Map, c'est Toya, ça a été propre. Hein. Le mec, tu le mets n'importe où en défense, il fait juste son boulot. Quoi. Moi, j'adore ce mec, c'est incroyable. Mais vous voulez que je vous dise juste Vandril, là, sur Vandril, lorsqu'il est en confiance, ce gars-là est supérieur à pas mal de joueurs dans cet effectif. Puis moi, c'est là où j'en viens, c'est que je pense qu'au moment où Klopas était là, dès qu'il faisait une connerie, on dirait que ça lui coupait les jambes. On sentait que vraiment, il perdait son envie de jouer, il perdait son envie de jouer au ballon. Puis il disait, je vais faire les choses simples, je vais passer le ballon au gars à côté de moi, puis c'est lui qui va faire les erreurs. Là, je pense qu'avec la confiance que Biello semble lui accorder, on va avoir un meilleur Vandril, puis on va avoir un Vandril en plus grande confiance, ce qui permettra aussi d'avoir des meilleures actions de Vandril. Et forcément, les performances de Vandril peuvent que tirer Cabrera vers le haut. Parce que, à mon avis, avec un Biello, les joueurs qui vont jouer vont pas être les joueurs qui sont sympas et qui vont boire des cafés avec le coach, quoi. Ça va être ceux qui performent le mieux, ceux qui jouent bien et qui méritent de jouer. Donc si Vandril joue bien, il aura pas le choix, Cabrera, de hausser son niveau de jeu, hein, quand il aura la chance. Il y a un truc dont on n'a pas parlé. Camara est de retour. Est-ce qu'il joue au centre? Non. Est-ce que la question se pose plus pour Vandril ou Cabrera et on met Camara, ou est-ce que Camara va à droite et se bat contre Yango pour la place à droite? Mais demande-toi, il y a qui en concurrence avec Oyongo, tu auras ta réponse. Ouais. Comme Oyongo est pour l'instant seul sur son nuage. Comme positivement, Ambroise joue vraiment bien. Je trouve qu'il est vraiment, vraiment l'un des meilleurs joueurs de l'effectif. Ouais. Maintenant, il n'y a personne derrière aussi. Donc, aller mettre Asun dans le mix des centraux, je sais que c'est quelque chose qu'il aimerait bien, à titre perso. Maintenant, tactiquement, pour l'effectif, je ne sais pas vraiment si c'est la bonne solution. Parce qu'Ambroise, voilà, il est seul. Là, il est au pays, il fait ses selfies et tout. Il revient, il a son poste derrière droit. Donc, le prochain match, vous ne pensez pas que le voir 60 minutes à droite, ce serait intéressant quand même? Ça serait intéressant, sauf qu'après, tu te déplaces. Tu parles de qui, Fred? Tu parles de qui? Des camarades, pas que Nigel a joué un mauvais match, mais le voir à droite, très sûrement. Alors, comme la raison pour laquelle il n'a pas joué, c'est qu'il n'est pas fit, comme on dit en bon français. Très sûrement que c'est lui qui va jouer en l'absence d'Ambroise Oyongo. C'est plus mon point. Je le vois mal être inséré comme le quatrième central de l'effectif. Alors, je vois mal. Après, le problème, c'est quand, supposons, on met Camara. Après, tu déplaces le problème ailleurs. Oyongo, tu le mets où? Tu vas le mettre à la place de Toya à gauche? Mais là, pour l'instant, il faudra qu'il aille chercher la place d'Oyongo. Ça va être trop chaud, ça. Ça va être trop compliqué. Ça va être compliqué, mais en même temps, il y a quoi? Là, il y a 5 matchs en 15 jours? Ouais. Enfin, c'est sûr. L'effectif va tourner. Vas-y, Fred. Non, mais ça, ils vont partager 60-30, 30-60. Ça va être ça, assurément. Il n'y a pas le choix. Parce qu'Oyongo, il ne faut pas oublier, c'est pas comme Simon. Il ne réchauffe pas le banc. Là, il joue en ce moment. Là.
Donc, des minutes jouées, ça veut dire de la fatigue. Je suis d'accord avec toi, mais je pense pas que tu arrêtes de faire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange, ça, genre, je dis, à titre d'analyste? Simon, c'est 43 convocations, 9 matchs de jouer. Donc, il est là surtout pour la bonne ambiance, surtout parce que genre, comme c'est un pote d'Eden Hazard, surtout parce que c'est un leader du banc. Est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange, ça, de le voir sélectionné pour rien? Non, ça me dérange pas. Une sélection, c'est une sélection. Tu es sélectionné avec ton pays, tu vas jouer. J'imagine que c'est un honneur pour le joueur. Et qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux lui interdire d'y aller? Tu veux lui tuer son mental et qu'il soit énervé de ne pas y aller? Non, pour moi, une sélection, ça reste une sélection. C'est au-dessus du club. Ouais, moi, ça me va. Ça me va. C'est juste qu'on va revenir sur l'éternel débat. Genre, quelle ligue joue pendant qu'il y a une trêve internationale partout ailleurs dans le monde, quoi? C'est plus ça. Après, ça pénalise la MLS. Puis bon, on ne va pas faire ce débat aujourd'hui, mais je trouve ça dommage. Ça devrait juste s'arrêter pour permettre aux joueurs d'avoir leurs meilleurs joueurs, quoi. Fred, toi, tu n'es pas dérangé par le fait qu'il ne joue pas? Moi, je suis un peu à la limite. Je pense, mais c'est sûr, c'est indirectement, c'est un peu rire de l'équipe auquel il appartient. Ce n'est pas de sa faute non plus si la MLS ne fait pas de trêve. Mais je serais curieux de savoir combien de minutes il a joué sur ses 43 sélections. Honnêtement, je serais vraiment curieux. Il a joué 9 matchs, comme je t'ai dit. Après, dans 9 matchs, c'est quoi? Il a joué quoi? 5 minutes environ? C'est quelque chose du genre? Non, mais il est défenseur. Il n'y a pas beaucoup de changements en défense. Donc, 9 matchs, tu multiplies par 90 minutes, j'imagine. Oui, non, mais regarde les gars qui sont avec lui. Là. La Belgique a une des meilleures défenses en ce moment sur papier. Là. Je veux dire, il n'y aura jamais de temps de jeu. Là, avec les jeunes qui poussent, avec les Vertonghen et compagnie, il va être là, mais juste pour dire, ah ben, il fait partie du 23, puis c'est tout. Là. Mais ça, là il est barré par Vermaelen, genre comme pour compagnie et capitaine, donc genre comme ils ne sont même pas en concurrence. Et puis avant ça, c'était Van Buyten. Van Buyten, mais il a pris sa retraite. Mais là, c'est Vertonghen et Vermaelen. Surtout que Vermaelen, il commence à jouer avec le Barça, vu que Piqué est suspendu. Donc Vermaelen. Donc il est quatrième défenseur. Ouais. Wow. La paire partante, c'est Vertonghen compagnie. Vertonghen, ok. Ouais. Donc lui, c'est mort. Mais... À la limite, là, tu sais, il est pas jeune, là. Invite un gars de 22 ans. Puis quand ce sera le temps de l'Euro, puis des vrais, t'as vraiment besoin d'un gars comme Simon, invite-le. Mais sinon, ça sert à quoi? Non, mais en attendant, comme je te dis, Fred, genre, il a vraiment une bonne influence sur le groupe. Tu sais, ça prend des joueurs qui soudent le groupe. J'ai failli dire Simon. Qui soude le groupe, et lui, genre, comme dans, il a ce rôle-là. Il y a un autre truc que j'aimais en parlant de Cimenté. Il y avait une défense décimée hier. Pas mal. Pas mal. Mais non, je te rejoins, Sid. Ce que tu proposes, Fred, c'est de ne pas le sélectionner. Et quand arrive l'Euro, là, tu le sélectionnes pour le groupe. Ça veut dire qu'il ne vient pas à tous les matchs préparatoires, tous les matchs de qualif. Il y a plein de nouveaux gars qui arrivent. Lui, il ne les connaît pas. Puis là, tu dis aux gars qui soudent l'équipe, amène-toi, il y a 15 joueurs que tu ne connais pas, soude-les. Non, mais je sais que ça n'a pas de sens. C'est juste de l'égoïsme. C'est tout. C'est un monde idéal. Alors, en même temps, j'ai en fait un petit message auprès des fans de l'Impact. La raison pour laquelle il joue aussi bien, c'est parce qu'il veut être dans le groupe des Diables Rouges. Donc, c'est l'une de ses principales sources de motivation. Et commencer à vouloir l'empêcher comme de rejoindre. On a perdu Mehdi ? Je suis toujours là. Et empêcher de le voir, qu'il rejoigne la sélection, en fait, c'est se tirer une balle dans le pied parce que c'est aussi la raison pour laquelle il joue bien. On va poursuivre avec des faits de match. Et hier, invention du hashtag j'ai l'air d'un foin. Donc, ma femme, ouais, vous avez commencé à l'utiliser dans le podcast. Je vais t'expliquer c'est quoi. Alors, j'ai l'air d'un foin, ce sera pour les moments cocasses, les moments what the fuck. Bon, c'est pas pour. Il y en a qui ont utilisé comme espèce de trop de poutine extrême. Il y en a un, ils ont fait un Saputo d'or, Drogba. Trop de poutine, ils ont mis Romero, ils ont fait j'ai l'air d'un foin, les supporters, c'était de la merde, les ultras. Non, mais donc, moi, donc le j'ai l'air d'un foin, donc, comme ce sera vraiment pour souligner quelque chose par rapport, quelque chose qui vous a marqué, qui peut être drôle ou pas. Par exemple, si on devait faire des sélections par rapport à hier,
On a une transversale complètement ratée de Donadel. De Donadel, mais alors elle était exceptionnelle. Alors là, exceptionnelle. Non, les gars, il a dégagé le ballon, vous avez pas vu? Non, arrête de. Non, il était en touche. Non, quand il a kické en touche. Ok, ça, c'est génial. Non. Il y avait trois gars en pression sur lui, il a juste vu le ballon, il a fait je le dégage. Là. Non. Ouais, il faut que ça arrête un peu. La transversale à Romero. Ça, mais c'est. C'était où quand ça arrive? C'était où? Mec, il était au stand des hot dogs à ce moment-là. T'es sûr? Attends, est-ce que t'étais là? En fait, c'est à toi qu'il a fait la passe, Donadel. C'est pour ça que tu trouves que c'était une bonne passe. Non, c'est pas une passe. Il a dégagé le ballon. Mais qui dégage? On n'est pas OK. On n'était pas. Il y avait trois gars sur lui, puis sinon, ça crée un revirement. Toya était pas. Dégage sur le joueur et obtient ta touche. Il était sur la ligne de touche. Bref. Mais Fred, non, mais peut-être que Fred a un point. Ou peut-être que, genre, comme c'est le président du fan club de Donadel, il raconte n'importe quoi. Mais. Le dégagement, franchement, le fait qu'il soit complètement latéral, un dégagement mais complètement parallèle. Mais le ballon n'est même pas allé par avant de 2 secondes. Le ballon a seulement traversé le terrain d'un bout à l'autre. Ça, c'est un moment j'ai l'air d'un foin. La performance de Radio peut-être un moment j'ai l'air d'un foin. Ouais. Donc voilà. Donc genre, en gros c'est ça. Donc ça peut être les ultras qui décident de pas participer à la fête. Ça peut être ce que vous voulez. C'est pas un trop poutine extra fromage, extra sauce. Non. C'est plus pour, voilà, pour souligner un moment. Moi, les pâtés, ici, un 3 dollars le pâté, j'ai l'air d'un foin. Je... 3 dollars le pâté. C'est ça. Je trouve que j'en parle à Kenol. Ouais, il faut parler à Kenol, là, je crois. Je lui ai dit, mais est-ce que les profits vont être reversés à une association? Qu'est-ce que c'est? 3 dollars le pâté? Le pâté. Donc voilà, donc c'est un petit peu ça qu'on va essayer d'introduire tranquillement dans le podcast et dans nos habitudes. Vas-y, Fred. Vous vous rappelez quand Justin Mapp a fait un crochet, les deux défenseurs se sont rentrés dedans? Ils avaient l'air d'un fou. Ça, c'était terrible. Puis il y en a un autre, c'est plate pour Tissot, mais je m'en rappelle, c'était qui l'attaquant, je pense que c'est Gilberto. Il a fait 2 crochets, Maxime est tombé sur les fesses. J'étais là, non! À la boîte. Okay, j'ai un autre moment, c'était dans le vestiaire après le match quand les journalistes parlent à Didier Drogba et qu'il lui parle. Il y a eu 3 questions de suite. Alors, Didier, bien, qu'est-ce que tu penses de ce premier départ? Et Drogba, les 3 questions, répond premier départ en parlant du match contre Philadelphie. Ouais. Donc, il n'y a personne qui s'est dit, OK, il faut lui expliquer, ça veut dire quoi, premier départ? Parce qu'on parle de ce match, on attend des choses positives, mais non, personne n'a osé lui expliquer. Ouais, non, l'air d'un point, Sid, t'acceptes, non? J'accepte. Franchement, c'était la guerre. pour être proche de Didier, pour l'entendre, pour le voir, c'était plus amical qu'au match de Philadelphie. Où en fait on ne savait pas s'il allait venir et qu'après une demi-heure on a compris qu'il ne viendrait pas. Cette fois-ci, il n'avait quand même pas le choix de parler aux médias. Il n'est pas obligé. Déjà là, il faut absolument mettre au clair pas mal de choses sur le fonctionnement. Le club a l'obligation d'ouvrir les vestiaires après les matchs. Donc je pense que c'est 15 minutes après le coup de sifflet. Donc d'ouvrir les vestiaires pour que nous, on puisse faire notre travail. Les joueurs n'ont pas l'obligation de parler. Ce n'est pas vrai. C'est pas dans le contrat ou quoi que ce soit. Les joueurs n'ont pas l'obligation de parler. C'est certain que quand tu as des joueurs qui gagnent des millions, qui sont les ambassadeurs pour leur sport, on s'attend à ce qu'ils fassent ce travail. Il y en a qui sont plus à l'aise que d'autres pour le faire. David Beckham, par exemple. Mais les joueurs ne sont pas obligés de parler, d'accord? Well done, New England. You're ready? You're ready? Well done, New England. Oui, mais ça, Thierry Henry, c'est un grand spécialiste des choix, des moments auxquels ils peuvent parler. Puis très clair, si un joueur n'a pas envie de parler, tout simplement, il reste sur la table de massage. Il y a aussi un autre truc qu'on compare à Beckham. Toi qui compares à Beckham, Beckham avait son attaché de presse qui travaillait à temps plein à ses côtés. Elle est. Donc, il ou elle était toujours avec lui pour lui donner tous les conseils qu'il fallait avant de faire des entrevues. Didier Drogba, son attaché de presse, est à Londres. Je pense pas nécessairement que Didier ait besoin de conseils. C'est vrai, non, comme pour les auditeurs, pour ceux qui nous écoutent, etc. Donc, l'attaché de presse de Didier Drogba est à Londres, effectivement. J'ai oublié la boîte qui gère, peut-être que je vous trouverai le nom.
Mais je ne pense pas nécessairement qu'il ait besoin de conseils. C'est une personne qui est très articulée, qui a une très bonne compréhension de qui il est, de l'environnement dans lequel il se situe, etc. Je ne pense pas nécessairement qu'il ait besoin de conseils. Il avait juste besoin qu'on lui sac patience, comme on dit en bon québécois, qu'il avait envie de revenir à un niveau physique confortable, jouer, et tout ça, tout simplement. Mais en termes de fonctionnement, donc voilà, donc nous, on a accès au vestiaire 15 minutes après le match. Donc, généralement, ce qui se passe, c'est qu'après le match, on va en conférence de presse, le coach parle. On pourrait aller à la conférence de presse du coach de Chicago. D'ailleurs, les médias MLS ou Chicago, oui, donc comme eux, ils vont à la conférence de presse de l'autre coach. Et ensuite, quand la conférence de presse est finie, on descend dans les vestiaires. La compagnie, c'est The Sports PR Company. C'était aussi ça. Ouais, vous, ouais. Entre autres, Essien, Walcott, Tchèque, Kalou et d'autres. Le brainstorming n'a pas duré très longtemps pour trouver ce nom. Donc voilà, donc les vestiaires sont ouverts. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer dans les vestiaires? Les joueurs peuvent être déjà partis. Il est possible que lorsqu'on arrive, le joueur s'habille très rapidement et n'est pas là. Il est possible que le joueur prenne sa douche pendant 30 minutes. Il est possible à mon avis, ça doit être le classique, ça. Il est possible que ça soit à la table de massage pendant les 30 minutes. Et puis, on a parfois le joueur qui est au téléphone ou avec son casque et qui, par son regard, te fait comprendre reviens mardi prochain, entraînement, et puis on va discuter. Donc, voilà, grand mythe que les joueurs sont là, grand sourire à nous attendre avec les micros, c'est pas vrai. Juste hier, par exemple, Alexander a refusé de parler avec Sofiane. J'ai refusé poliment, genre comme ça simplement, je veux dire, peut-être qu'il voilà, il a pas assez joué, il est pas dans le truc, donc voilà, et ça arrive fréquemment, d'accord. Les joueurs sont disponibles, de toute façon ils sont disponibles toute la semaine. Parfois ils nous disent aussi, ils repassent. Je veux dire, y a pas de souci, on va s'en parler. Donc voilà, donc Drogba, voilà, faut pas en faire non plus, hein, ok, c'est la liberté de la presse qui est remise en question, etc., etc. Et puis non plus, c'est pas non plus, je pense, parce que Red, j'avais dit sur la page Facebook. Et je n'étais pas vraiment d'accord avec ça. Ce n'est pas non plus une preuve qu'il s'en fout de la MLS et puis qu'il fait ce qu'il veut, etc. Ah non, ça a mal été interprété. Je ne dis pas que lui, il s'en fout de la MLS. J'avais plus dit que, contrairement à l'autre sport dans la ville, je peux te dire que les journalistes, ils auraient fait un moyen de pression beaucoup plus élevé pour qu'il parle. Tu as raison, mais il y a un autre truc. Je vais revenir sur une entrevue de Gilbert Bribois, de RMC, qui est avec une des radios FM québécoises. Et qui leur disait. Tu peux la citer? C'était la 98.5, je pense. Ok. Et donc, t'as qui? Arcadio, c'est Jérémy? Il y avait Arcadio, ouais, il y avait Jérémy aussi. Donc, il leur disait, le jour de la signature de Drogba, le jour où il a été présenté, en fait, il leur disait, les gars, Drogba, ça va être quelqu'un que vous allez toujours voir avec le public faire la fête, aller dans les événements caritatifs, etc. Mais pour le voir parler aux médias, vous attendez pas à grand chose. Il est très peu disponible. Alors ça, c'était mon deuxième point. Donc là, je voulais d'abord clarifier parce que je suis dans les vestiaires, je sais comment ça fonctionne. Donc je voulais vous clarifier ça. Mon deuxième point, c'est qu'il faut vraiment pas confondre Didier parle pas aux médias avec Didier ne communique pas. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Et la brand Drogba est la brand la plus puissante qu'on n'a jamais vu à Montréal. Comme vous pouvez nommer qui vous voulez, genre comme c'est la brand en termes de visibilité, de portée dans la communication qui est la plus grosse à Montréal. Et Drogba, il communique. Genre son Instagram, c'est des 5000 personnes, genre comme chaque fois qu'il like, genre comme c'est des 10 000, 100 000 qui sont rejoints. Il communique sur Facebook, il communique sur Twitter, il communique. Maintenant, c'est pas au travers des médias. Et c'est ça qu'il faut, genre, comme qu'il y a un peu un changement un petit peu de façon. Et avec les fans, il est très proche. Il a donné son maillot à Philadelphie, comme du côté des 132. Il a donné son maillot à Chicago, du côté de la 114. Genre, comme c'est un gars qui est agréable, qui est proche, etc. Donc, il faut vraiment pas confondre. Communique pas avec les médias, donc égale une personne froide, qui a rien envie de le dire, etc. Ça, c'est pas vrai. Vous avez vu son tweet d'hier? Avec Simon? Ouais. Laurent Simon, c'est pour toi, ma poule, reviens vite. Premier tweet après le match. Si c'est pas un gars d'équipe, ça. Et Simon a bien répondu, c'était marrant. Non, c'est cool. Mais il y avait un service après-vente de malade, en fait. Il a fait le tour du stade. On aurait dit un jubilé. C'est un truc de fou. C'était un jubilé. Il était torse nu, il saluait les gens. Il allait à tous quatre coins du stade. C'est à la fin de son premier match. C'est incroyable. Première titularisation, c'est exceptionnel. Donc oui, je suis d'accord avec Sid. Ce mec, c'est... Attends, là, il communique un truc de dingue, là, ce qu'il fait, là. C'est plus que ce que demande le peuple. C'est incroyable. Exact. Puis aussi, il ne faut pas oublier
un brand comme ça, tu as besoin de contrôler qu'est-ce qui se passe avec ça. Puis les journalistes à Montréal, je suis désolé, si j'en ai su un ou deux, mais pour poser les questions, là, vous l'avez pas l'affaire vraiment pas. Comme si, on l'a vu dans le point de presse, là, les gens l'ont mis plus mal à l'aise qu'autre chose, ils ne savaient pas quoi répondre. Puis je pense aussi qu'à un moment donné, quelqu'un comme ça a vraiment besoin de contrôler son image et faire passer son message. Puis c'est pas à Sport 30 qui va le faire, c'est avec les médias sociaux puis à accéder au vrai public qui veut le suivre. Je pense que il en donne à tous ceux qui veulent un contact avec Didier Drogba, ils vont l'avoir. C'est ça. Moi, je pense que d'un point de vue d'aller rejoindre des personnes qui sont pas nécessairement fans de lui à la base ou peut-être même fans de soccer, passer par les médias traditionnels, genre comme d'autres plateformes, c'est bien. C'est quelque chose que j'aimerais qu'il fasse à terme. Maintenant, alors comme c'est ça, je veux simplement préciser qu'aujourd'hui, pour une personne qui comme lui, est aussi populaire sur les réseaux sociaux, c'est pas non plus un signe qu'il ne communique pas et que le public montréalais. C'est-à-dire, comment vous savez qu'il va sortir son autobiographie? C'est-à-dire, on n'est pas il y a 20 ans où il n'a pas fait d'entrevue, donc on ne sait pas. Tout le monde sait qu'il va sortir une autobiographie. Pourquoi ? Parce qu'il a tweeté, parce qu'il a Instagrammé, parce qu'il a Facebooké. Donc, on est au courant de son actualité. Parfois, on sait qu'il est chez les U18 ou chez les U20. Est-ce que c'est les médias qui vous a dit ça, qui s'entraînaient avec les U18 ? Non, mais en même temps, le gars, il tweet, il y a l'équivalent de la population québécoise qui le lit dans le monde entier. Ça s'est fait. Donc, il y a quand même un… Je vais passer à un autre sujet. Je vais prendre une question de Lizzie. Donc, c'est Girls Love IMFC. Donc, on lui dit bonjour. Il demande, est-ce que c'est possible que Drogba soit manquant pour le prochain match? Il a dit que son orteil lui faisait un peu mal. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez qu'on va le voir absent? On joue à LA, hein? Ouais, donc les matchs LA et San Jose. Il virait dans l'Ouest. L'impact joue là-bas. Toi, tu joues nulle part, Romain. moi, je pense que, je ne sais pas si vous avez remarqué. J'ai l'air d'un foin. Je vous ai remarqué au stade, souvent, Conchina et Biello demandaient « ça va ta jambe, t'es correct ?» Parce qu'il y a eu un petit contact en 65 minutes, je pense. Puis il a insisté pour continuer à finir le match. Je pense que ça prouve aussi qu'il est quand même en forme pour jouer ses minutes, donc il serait capable de jouer. À ce moment-là, je pense pas qu'il va jouer deux matchs, comme tu disais, les cinq matchs en 15 jours, mais je pense qu'il va être correct pour un départ dans une semaine. Je pense qu'il joue à LA, mais qu'il rate San Jose. Parce qu'on va faire tourner à ce moment-là. Mais à San José, il va être sur le banc. Ouais, puis elle est il a envie, hein. Il a envie. Ouais. Il le sait, lui aussi. Ouais, il va peut-être avoir une petite douleur, mais il va se dire, je vais pas rater, c'est un showdown. Je vais revoir Robbie Keane, que je connais de l'IPL. Je vais revoir Gerard, que je connais hyper bien aussi. C'est un showdown pour lui, à mon avis. Tout dépendamment de la semaine d'entraînement. Mais il a dit que ça le faisait moins souffrir qu'il y a deux semaines. Et on a vu le match qu'il a fait. Il a fait 90 minutes. Moi, j'étais hyper surpris qu'il les fasse, d'ailleurs, les 90 minutes. Mais est-ce que Biello aurait dû le sortir pour une stand-up? Moi, je croyais que c'est ça qu'il allait faire. Et qu'il allait, en fait, que Drogba allait être remplacé par Oduro. Mais moi, un but d'écart, c'était trop chaud. Mais non, ça va, il n'est pas défenseur non plus. Tu serais étonné. Tu as vu ce qu'il a fait hier, la plupart du temps. Moi, voyant quasiment milieu défensif. Mais il était milieu défensif parce qu'il était cramé à un moment. Ouais. À un moment, il était fatigué. Il jouait 6 et il laissait les gars courir devant. Mais non, mais c'est plus dans le sens que moi, j'aurais aimé voir ce moment où juste il sort, il reste une minute. Et puis... Mais c'est lui qui n'a pas voulu. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il ne voulait pas changer. Le dernier changement, c'était Piatti ou lui. Piatti avait une blessure musculaire qui pouvait avoir une rechute. Donc, je pense que Biello a pris le chemin le plus sûr en sortant un gars qui avait une blessure musculaire qu'un gars qui avait juste mal à l'orteil. Quoi. Mais parlons-en justement, les changements de Biello. C'était bien, non? Moi, j'ai trouvé ça... Ouais, non, c'était... Selon l'allure du match, c'était pas mal. Ouais. C'était pas mal. Mais après, tu me diras, il n'avait pas non plus une multitude d'options. En même temps, il a fait à peu près les mêmes changements que ce que... Klopas fait d'habitude, hein. Faut pas commencer à donner une médaille pour la même chose. Après, il y a un truc que j'ai aimé, c'est qu'il a rentré Douka, il l'a d'abord mis en 10 pendant 3-4 minutes. Ce qui a sûrement un peu chamboulé les plans de Chicago. Puis tout de suite après, il rentre Alexander et il remet Douka sur l'aile. Donc ça, c'est une petite. Ok, juste pour résumer, donc Douka a pris la place de Piatti à la 70e. Et puis Alexander a pris la place de Romero à la 75e. Puis Oduro a pris la place de Map à la 87e.
Donc, Durant, c'est du poste pour poste. Moi, il y a un truc, moi, j'aurais... Après, moi, je pense que c'est plus l'état de forme et de santé de Piatti qui fait ça. Mais moi, le seul truc, le seul bémol, c'est Romero que j'aurais sorti en premier, parce que Romero était clairement pas dans le match. Romero était vraiment pas dedans. Il n'était pas dans la fête. C'était... Non, mais les gars... C'était le grognon, il n'était pas dans la fête. Et ses est... actions, là, ses actions qu'il a fait, là, il y a un an et demi, il les met dans le but, non? Ouais, ouais, clairement. Mais c'est un mec qui n'est pas en confiance. Quand exact, il y a un an et demi, au début de cette année, en Ligue des Champions, il les aurait mis. Ouais. Les gens oublient hein, qu'au début de la saison, parce que je parlais avec d'autres gens aussi, ils m'ont dit « Ouais, on a le... depuis le début de l'année, on a le Romero d'il y a 2 ans. » Je fais « Non, non, au début de l'année, Romero a fait un bon début de saison. C'est même le mec le plus régulier. Et puis là, ça fait 2 mois, là, Romero… » Est... À sa décharge, j'ai trouvé que c'était mieux que ses précédentes sorties. D'accord. Parce qu'il avait les occasions. Mais après… Non, mais il s'en écrit aussi. Il était là où il fallait, mais après, balle au pied, c'était compliqué pour, ouais. pour cette… Il y a voilà. un petit truc, les gars, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'aimerais savoir ce que vous en avez pensé. C'est quand Piatti est sorti, il a donné le brassard à Drogba, qui est allé courir et qui est direct allé le donner à Rio Coque. Qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de petits gestes Moi, j'ai... qui ont une forte symbolique? Vas-y. Moi, comment je l'ai senti, j'ai fait… C'est vraiment stylé parce que c'est la star de l'équipe. C'est lui que tout le monde regarde. Il aurait clairement pu prendre le Barassa. Mais non, il ne s'est pas approprié, justement. Il sait qu'il y a des capitaines et des sous-capitaines et des leaders dans cette équipe-là qui sont là depuis plus longtemps que lui. Il est juste allé lui donner. Moi, j'étais vraiment impressionné. D'accord, je suis d'accord avec toi, mais moi, il y a un truc que je n'aime pas là-dedans. Piatti, comment ça, il donne le brassard à Drogba? Comment tu décides qui est capitaine? Il y a très grandes chances qu'il donne le brassard à la première personne qui a la prochaine qui est le plus proche de lui. Exactement, et qui a un petit peu d'expérience. Ouais. Non, mais très souvent, quand le joueur qui a le brassard qui sort, à moins qu'ils soient remplacés par Bernier. Moi, je le vois donner. Comme il prend le brassard et puis genre, il faut qu'il sorte. Il y a pas moi, ce que je vois d'habitude, c'est qu'il le donne au prochain capitaine. Qui était pas nécessairement. Pas nécessairement. Il y a très souvent, on le donne à celui qui. Tu le donnes à celui qui est okay. plus proche et celui qui est plus proche. Simon aurait été sur le terrain. Est-ce qu'il l'aurait donné à Drogba aussi, quand même? Il est possible. Genre comme je te dis, il y a deux choses. C'est pas certain que Piatti donne à celui qui est officiellement capitaine dans la liste des capitaines. Donc comme il est possible simplement qu'il donne à celui qui est proche de lui et qui n'a pas envie de prendre un jaune et après qu'il sorte et que celui qui a le brassard. C'est sa responsabilité après donc, comme de le renverser. Donc, si la personne elle est un petit peu instable et qu'elle décide de le prendre pour lui… Donc, tout est normal, en fait. Drogba aurait dû le donner. Je pense que oui. OK. Pas besoin de se chauffer. Après un match, oui. Après 10 matchs, un an, non. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, ça l'a vraiment chauffé, Rio Coque. Hein. À partir du moment où il a été capitaine… Il a bien commencé son match. Non, je sais. Mais après ça, il a été incroyable. Il a gagné tous ses duels. Il a fait des choses que je n'ai jamais vu le faire. Tu vois, tu as vu l'étendue de son talent dans les 20 dernières minutes. Il a fait Donadel a fait un match exceptionnel comme d'habitude, c'est ça? Non, le <tranquille. rire> Non, Donadel a bien joué. Mais Donadel était cramé, par contre. Il aurait dû sortir avant, mais bon. Encore un très bon coup qui a arrêté. Mais attends, juste Rio Coque, parce qu'on a une question toujours de Lizzie qui dit « Je trouve que Nigel Rio Coque nous a agréablement surpris. Est-ce que c'est l'effet Drogba ou c'est l'effet Biello ?» C'est l'effet Drogba. On a… Ce mec-là, ça peut pas être une quiche complètement, quoi. Il a quand même joué en IPL. Je veux dire, tu peux pas avoir été quand même titulaire en IPL et être comme complètement dégueulasse et qu'on te traite comme le premier venu, quoi. C'est un joueur, il a un certain niveau. Après, son éthique de travail par rapport à comment il s'est chauffé et tout ça peut être questionable. Mais après, le mec, je pense, quand il s'est dit, il y a Drogba, I gotta step up my game. Like, I have to step up my game. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait un super match. T'as vu son grand sourire sur le but Il a sauté dans les bras de Drogba comme un enfant, quoi. Mais dis, comme tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. J'ai vu la photo. C'est vraiment… Mais pour moi, c'est juste une question de temps avant que Nigel reprenne sa place au milieu de terrain à côté de Donadel. Ça serait vraiment… C'est juste génial. Une question de temps. Génial. Qu'on ait enfin notre 6 ratisseur physique. Malas, c'est pas ce 6-là? Malas, c'est pas un 6 ratisseur physique, non.
C'est vraiment dommage parce qu'il y a eu un tweet, ça m'échappe, je suis désolé de la personne, elle a dit vraiment de Malas sous l'air biello, comme s'il avait comme un free roll. Et je trouve que, ouais, c'est vrai, c'était pas mal. Mais ça, le problème avec Malas, c'est trop en montagne russe. Mais il y a eu des bonnes phases. Est-ce que tu vas redevenir fan de Malas, Reg? J'étais fan de Malas. Là, il m'a vraiment déçu. Il est redevenu quand Pierre Richard a parlé de Malas. T'as retourné ta veste à une vitesse. C'est réellement pas vrai. On te surveille. Moi vrai. Aussi, j'ai remarqué la même chose. Hein. Oui, d'accord. Non, non, d'accord. Malas, parce Malas, qu'on va recenser les cassettes. Hein, genre pas comme... de langue de bois, Reg. Hein. Ah oui, Reg, grand fan de Malas. Moi, je me cache pas. Je suis un grand fan de Malas. Sauf que là, Malas, cette année, c'est compliqué. Mais quand même, mais les gars, j'aimerais revenir sur quand même le gars sûr de Fred. C'est hallucinant comment ce gars-là ne fait pas une passe vers l'avant. Pierre-Richard a raison. C'est exceptionnel. Il a du temps. C'est une passe latérale ou vers l'arrière. C'est incroyable, ce mec-là. C'est incroyable. Il n'en fait pas une vers l'avant. Et quand il passe vers l'avant, c'est un dégagement. Mais à qui tu voulais qu'il fasse des passes vers l'avant? Piatti joue en faux neuf, Drogba à l'autre bout du terrain à gauche. Où les ballons allaient? À l'autre bout du terrain, à gauche. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Venegas descend. Venegas vient chercher le ballon. Piatti ne va pas chercher le ballon. Donc, à qui tu veux Malas. Qu'il fasse les passes? Malas est derrière lui. Malas, soit il est devant lui, soit tu as Map qui revient plus dans le centre pour laisser la place au couloir que Tissot n'a pas pris une seule fois. Même Yokoke, en début de match aussi, il a très peu pris le couloir. On passe pas par le centre, c'est pas la directive de l'équipe. Là. Ah, mais voilà, ça c'est autre chose. Mais après, Malas, je reprends ton argument de tout à l'heure sur Lefebvre et Simon. Malas essaie un petit peu trop de jouer comme Donadel en mode plaque tournante entre la droite et la gauche. Pour moi, au milieu, à côté de Donadel, parce que Donadel fait quand même bien ça. Ça, je vais l'accorder à Fred. Pour aller de droite à gauche, Donadel fait bien ça. À côté de lui, il faut un gars qui est physique, qui peut te passer un gars en mettant l'épaule. Pour moi, c'est ça qu'il faut à côté. S'il faut un 8 comme ça, Malas essaie un petit peu trop de jouer comme Donadel et il joue devant lui. Ce qui veut dire que devant lui, il y a plus de joueurs autour de lui et il ne peut jamais faire de passe en avant. Donc, peut-être que c'est sa faute, peut-être que non, mais il essaie de faire la même chose à un poste où il ne devrait pas faire la même chose. Ah oui, non, mais ça, oui. Mais après, je pense que c'est par faute de joueurs disponibles, à mon avis. On verra, peut-être lui au coquet, on va lui redonner une chance, voir qu'est-ce qu'il peut donner, parce que c'est lui qui était capitaine, il était titulaire en début de match, en début de saison. Mais pour l'instant, ils font la même chose et c'est vraiment pas une paire compatible. Un Nigel motivé peut vraiment apporter à l'équipe. Parce que Drogba, il va lui mettre la pression, hein, Rio Coco, t'inquiète. Il va oser l'engueuler. Hein. Ben justement, parce que c'est des conneries, il va aller lui dire. C'est ça, parce que c'est pas un jeune, il sait que c'est un mec qui a quand même eu un certain niveau de jeu, qui a joué dans un certain niveau, donc il va être hyper exigeant avec lui. Donc de facto, il pourra que élever son niveau de jeu, quoi. Donc je pense que ça peut être pas mal, ça peut être bénéfique pour l'équipe de le mettre là, de le remettre là. On quitte le terrain, on va parler un petit peu des tribunes. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'ambiance au dernier match? Une ambiance Centre Bell. Parce que les olé olé là, à 4-3. J'étais content que le stade enfin, pour la première fois, chante à l'unisson. Mais d'un autre côté, non, les olé olé, je suis contre. Donc, ouais, puis non seulement le olé olé, je suis clairement contre, c'est pas l'endroit. Il faudra créer autre chose. Mais aussi, on voit que quand les ultras chantent pas, c'est dead, quoi. C'est une ambiance d'église, quoi. C'était sérieux, il y avait tout pour qu'il y ait un bordel pas possible dans le stade. La formation était offensive, c'était génial, c'était parfait. Drogba qui commence, c'était. Ils ont essayé en face. Près de 114 un peu. Aussi. Ah, ouais, mention à la 127 qui 127, ont quand même essayé. Ils ont fait c'est ce qu'ils pouvaient. Et limite, j'ai l'impression que le stade, ils ne connaissaient pas les champs. Non. Ils ont essayé hein, tout le stade. Ça avait l'air très laborieux. Il y en avait, ils ne savaient pas. Ils sont comme pourtant, je pense qu'il y a des paroles. En plus. Les 15 premières minutes du match, là, avant qu'il y ait un but, là, on entendait les mouches voler. Je suis désolé. C'était vraiment terrible. Puis j'avais de la peine. Je me disais, le monde qui vient de là pour la première fois, là, il s'emmerde, là, c'est clair. Le match, avant la 15e minute, est un match plate. Est un match 1-0
La défensive attend toute la partie pour les contre-attaques. C'était ça, le match. Mais j'aimerais vraiment que vous me dites comment vous avez jugé l'ambiance d'hier. Est-ce que... Il y a eu des buts. Il y a eu l'euphorie de Drogba. Moi, je l'ai trouvé nul. C'était nul. Parce que le seul moment où... Peut-être plus en deuxième mi-temps, c'était mieux. Parce que quand il y avait des beaux dribbles, il y avait des belles actions, on a senti que ça commençait à devenir un public de connaisseurs parce qu'ils applaudissaient des beaux gestes. Vandril, à un certain moment, il a gagné un duel avec la force. Une feinte de corps, relance propre. Là, le public... C'était nul ou c'est pas nul? C'était vraiment par séquence, mais pas assez. Je trouve qu'il aurait pu avoir plus de bruit malgré que les ultras ne faisaient pas de bruit. Quoi. Je pense que j'ai la réponse pour laquelle Reg me suivra. C'était une ambiance Centre Bell. Pourquoi ? Parce que c'était un public réactif et ce n'était pas un public actif. Et nous, ce qu'on aimerait avoir au Stade Saputo, c'est un public actif, un public supporter. Là, ce qu'on voyait, c'était un public consommateur qui réagit aux actions, mais que s'il n'y a pas d'action, c'est la mort totale dans les gradins. Ah, mais vraiment. Tu es d'accord avec moi, Reg ? Ah ouais, vraiment. Fred, tu es d'accord ? Ouais, exact. C'est un match de 1-1, on n'entend rien. Match de 4-3, en voyant plein de belles actions. Il y a eu de l'action, sinon... Mais c'est ça. Moi, j'avais du mal à évaluer l'ambiance. C'est ça que je vous ai posé la question à deux, trois reprises. Parce que j'ai trouvé relativement bonne. Honnêtement, il y a eu du bruit. Mais il y a eu aussi des grands moments de silence. Et je me souviens, comme d'avoir fait un tweet, je ne sais pas si c'est avec mon compte ou avec l'autre, j'ai fait un tweet où j'ai dit, ben, vous voyez, ce silence, c'est là où la notion de supporter prend tout son sens. Il y a eu le moment où il y a un silence, je crois que c'était à 2-2. Je crois que c'était à 2-2. Bah, du 2-2 au 3-2, ça a duré. Non, je pense peut-être à 2-2 ou à 3-2. Ça a duré toute la mi-temps. Silence incroyable. Genre vraiment un silence incroyable. Et puis, non, c'était à 2-2, je pense. À 2-2, Mehdi, parce que. Bah, le 2-2, c'était tout le long. C'était de tout. Entre le 2-2 et le 3 partout. Ça a duré tout ce moment-là. Ça a duré les 5 dernières minutes de la première mi-temps et les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps. Ce silence. C'est d'ailleurs, ça. Tu le remarques quand tu regardes la vidéo du show de Radio. Quand ils montent le public était mort. Ouais, non, c'est vrai qu'il n'y avait pas de... Les gens commençaient à chauffer. C'est là que, vraiment, pour moi, la leçon de supporter prend tout son sens. C'est le moment où l'équipe est moins bien que l'équipe a besoin de support. Ce n'est pas quand ça va bien. Je veux dire, c'est sûr que c'est le fun quand tout le monde crie, il y a un but, il y a une belle action, etc. Mais c'est quand l'équipe est moins bien qu'elle a besoin de supporters. Et donc, quand Drogba marquait des buts, ben on voyait moins. C'était chaud dans le stade, ça criait Didier. C'est-à-dire comme il y avait vraiment une très belle ambiance. 20 000 personnes qui crient, ça fait toujours une bonne ambiance. Mais c'est les moments où l'équipe est en dessous. Et là, tu te dis, hey boy, quand elle sera menée, quand elle sera contre une équipe plus offensive qu'elle, quelle sera la réaction de ce public-là ? Donc, là, on a besoin de changement, que ce soit de la part... Je sais pas comment ils appellent, hein, comme les fans à temps partiel, les touristes, ou genre comme tout ce que vous voulez, des changements de leur côté, des changements aussi du côté des ultras, comme en espérant que la situation se résolve assez rapidement, parce que. Mais je pense qu'on s'en va vers ça. Écoute, pour le match d'hier, c'était la punition à cause des fumigènes. Les fumigènes ont été utilisés parce qu'il y a un autre groupe de supporters qui a utilisé des fumigènes réglementés. Radio. Non, je ne te parle pas de radio, là. Je te parle des groupes de supporters. Il n'y a pas eu des fumigènes à la mi-temps. Je te parle de la punition des drapeaux sur la 132. Pourquoi elle a eu lieu? Moi, j'ai trouvé ça vraiment ironique, genre, l'utilisation de feux d'artifice. J'avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est fou de la gueule des gens. C'est non, mais on reste, guys, on parle quand même. Il faut juste que ce soit accepté de manière sécuritaire par le département des incendies, c'est tout. Tout simplement. Ouais, parce que la 128, 127, je ne m'en rappelle pas, ils font ça dans un bac de sable. Ils ont demandé à Joey, tout va bien. Il y a deux choses. Pas de problème, là. Il y a deux choses pour la 127. C'est qu'ils utilisent des fumigènes blancs qui sont réglementés par la Ligue et par le département des incendies. Et ils le mettent directement dans un bac de sable. Et ils ont demandé à l'impact au préalable. Voilà ce qui a fait que ça leur a permis d'utiliser ces fumigènes-là. Les 132 ayant vu ça, c'est mon point de vue. C'est ce que je pense qui est arrivé. Quand ils ont vu qu'il y avait des fumigènes à la 127, ils se sont dit « Oh, pourquoi eux, ils le font et nous, non ?» Et là, ils ont commencé à répondre. Le match suivant, ils ont commencé à sortir des fumigènes bleus aux couleurs de l'équipe. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de fumigènes bleus réglementés.
Ils l'ont fait 4 matchs de suite. La Ligue a réagi. L'Impact a réagi. Tout ce qu'il y a de plus normal. Ils les ont punis. Pas de drapeau. Si ça va bien, pas de fumigène, on va recommencer à accepter les drapeaux. La conséquence qui est plus loin que pas de drapeau, c'est aussi comme que les ultras ont décidé de ne pas chanter. Et puis, ça a paru. Parce que ça a paru grave. Je veux dire honnêtement, de côté. Honnêtement, comme les 127 que je salue, comme il y a Patrick Bourdon qui a pris un t-shirt trop de Poutine hier, donc salut Sentinelle 127. Honnêtement, si l'ambiance du stade ne dépendait que d'eux, aujourd'hui, ce ne serait pas suffisant. Donc, très bien pour les fumigènes. Je suis très content pour eux qu'ils ont fait la formation pompier, qu'ils utilisent un bac à sable, etc. etc. Mais si l'ambiance stade ne dépendait que des 127, c'est pas suffisant. On a besoin de plus. Ce qu'il faudrait qu'il se passe, et je pense qu'on s'en va vers là, c'est qu'en ce moment, il y a un genre de négociation entre le club slash MLS et les ultras de 132. C'est que ça, c'est en train d'être négocié et on s'en va vers les fumigènes réglementés avec les bacs à sable dans la 132 aussi, et tout va redevenir normal. Après, combien de temps ça va prendre? C'est ça la question. Est-ce que ça va être réglé avant les séries? J'espère. Ouais, non, parce que là, je trouve ça, comme il décide, quoi, c'est vraiment, il y avait comme trop de moments de silence, et ce qui est bien justement avec les ultras, c'est que ça chante tout le temps, quoi. L'Impact se prend un but, mais les gens ont été stun. Il y a eu le but de Vendril. Vendril était encore sur son nuage et c'est pour un but. Vendril faisait des checks avec Biello. Ils n'avaient pas fini, tu vois, ils faisaient un check. Ouais, ouais, c'est incroyable. Il y a eu le but direct derrière, quoi. Donc, mais c'est ça, je pense qu'à un moment donné, voilà, genre, comme on pourrait avoir un très très long débat sur la notion de supporter, la notion d'ultra, le club, MLS, etc. On ne va pas l'avoir. Mais c'est ça, mais on a besoin de la part des gens qui vont au stade. Qu'ils soient actifs et en fait, je dirais même proactifs dans leur façon d'être, dans leur façon de consommer le produit soccer. Donc, c'est très très différent, c'est une dynamique qui est très très différente des autres sports. Et puis ça doit évoluer tranquillement, pas vite. Hashtag culture foot, parce que voilà, parce que genre, là la fête elle sera parfaite. On peut conclure rapidement. J'essaie de voir ce qui se passe sur le hashtag IMFC que j'aurais raté, qu'on pourrait discuter. Je pense que ça fait un petit peu le tour. Donc, Biello, l'effet Biello, première victoire, 4 buts. Est-ce que c'est le signe de son style? Vous pensez qu'il y a comme une équipe qui sera beaucoup plus offensive, qui va en marquer plus que l'adversaire? Trop tôt pour dire. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment juger parce qu'il y a eu juste une performance juste sublime de Drogba. Donc, à mon avis... À voir, mais après, c'était plaisant de voir quand même. Je pense que tout le monde était très excité d'avoir les deux DP en même temps, d'avoir Marc. Tu n'étais pas trop distrait par Drogba, Reg? Non, ça va. Je n'étais pas trop distrait par Drogba, mais c'est vraiment n'importe quoi, ce truc-là. Mais bon, c'était d'avoir les deux DP en même temps, d'avoir Marc et d'avoir Romero, qui, à mon sens, c'est le quatuor. Peut-être Romero mettre Venegas. Non, Venegas, ouais. Avec Venegas, et puis de mettre Piatti sur un côté. Je pense que c'était bien de voir ça, qu'on était très excités. À voir quel genre de style on va à l'extérieur aussi, comment l'équipe va jouer. Et de là, on pourra juger si c'est un style Biello ou pas. Non, je pense que un Piatti libéré, créatif, je pense que son lob. Ah, oh, son tir aussi. Oh là, la frappe sur la barre transversale. Oh là, c'était incroyable. C'est vraiment. Il était transporté. C'était. Mais il a commencé à jouer qu'à partir de la 50e, 60e, à partir du 3-3 en fait. Tu trouves? Avant ça, c'était pas le Piatti. Je le voyais pas. À partir du 3-3, ça veut dire le mec, il a joué 3 minutes, quoi, vu qu'il est sorti 10 minutes. En 3 minutes, il a fait quoi? Il te fait un lob, il te fait une frappe sur la barre. Non, il a fait un peu plus. C'est vrai, il bouge moins que Venegas. Ouais, Venegas, il bouge beaucoup. Pour reprendre ce que Fred disait, c'est vrai que Venegas, il descend vraiment très, très bas. Mais tu vois, il sent le jeu, il sait où aller, les changements d'aile, c'est propre, quoi. Il joue à une touche de balle, l'intention de jouer à une touche de balle pour forcer ses coéquipiers à jouer à une touche de balle, l'entente qu'il y a eu, des ailes de. Je trouve, non, c'était bien, c'était pas de la feuille, c'est clair, là, il a éclaboussé son talent dans les 10 dernières minutes dont tu parles. Mais... Johnson, il prend 4 buts, mais franchement, j'ai trouvé que c'était un très bon gardien. Un malin. Il m'a.
plus impressionné que Bill Hamid, qui a fait un blanchissage lors de son passage. Et puis, c'est vraiment rare de souligner qu'un gardien est bon alors qu'il a pris 4 buts. J'ai trouvé que c'était... si c'était pas lui, ça aurait pu vraiment être... Ouais, non. Ouais. Une sacrée raclée. Je veux dire, et ça a vraiment gardé dans le match jusqu'à la fin. Puis, Mac Maggie a joué, Reg. Ouais. T'es sérieux? Ouais. Genre, il a joué, il est rentré sur le terrain. Moi, j'ai fait Maggie. Hein, comme que... Waouh! Il était meilleur buteur. C'était... Le mec, il a disparu, quoi. Ouais, grosse blessure, hein. Grosse blessure, comme il a fait son retour. Il a joué à 75. À un moment, je trie mes photos, je fais « Ah, Maggie! » Juste revenir rapidement sur Biello, là. Je sais pas si... Moi, de ce que je pense, de ce que j'ai vu, c'est un échantillon assez minime. Mais je pense que l'équipe va prendre davantage de risques offensivement. Puis je pense que c'est là qu'on va apprécier le spectacle. Même si on perd 4-2 ou peu importe, l'équipe va prendre des risques puis va essayer de marquer des buts. Puis je pense que les supporters qui n'étaient pas là au stade vont être là parce qu'ils vont voir un show en même temps aussi. Prochain match plein. Pour le prochain match à domicile, je pense que c'est New England, 19 septembre. Ouais, j'imagine. Ça va être plein jusqu'à la fin de la saison. Je pense que c'est... Avec le triplé de Drogba en plus. Ouais, en plus, quoi. Genre, je veux dire, si Drogba nous a... Tu vois, il n'était pas prêt contre Philadelphie. Voilà, les gens étaient excités, ils sont venus. Vous en voulez plus? C'est ça, quoi. Ils sont venus. Imagine, il avait fait un non-match aujourd'hui. Peut-être les gens, ils auraient fait « Bon, OK. » Il est vieux. C'est là, de la camelote. C'est de l'arnaque. Non, mais il y avait beaucoup de partisans du Canadien qui attendent avec impatience le tournoi de golf, qui étaient prêts à le… Ouais. Comme, ouais, c'est Didier, là, vous avez fait la foire à l'aéroport, tu vois. C'est qui, ce gars-là, là? Non, c'est vrai. Mais là, avec cette performance, c'est... le stade, il va être plein jusqu'à la fin de la saison. Ouais, un petit mot sur la bannière du côté des 1642 Montréal, une bannière Drogba Legend qu'ils ont ramené de Londres. C'est incroyable. J'ai vu ça. Ah non, mais tout thumbs up. J'ai vu ça ce matin en me levant que c'était la bannière, en fait, qu'ils ont pris de Chelsea. Et il y a une petite vidéo avec le mec qui parle en français à Drogba. C'est génial. C'est la vraie bannière de Londres. C'est la vraie bannière de Londres. C'est pas un truc qu'on a ramené du Maroc, là. Ah non, mais de toute façon, c'était trop bien fait pour que ça vienne du Maroc. Non, mais c'est génial. David Johnston. Exactement. Qui a parlé de ça. Dévoyé sur les réseaux sociaux... faire des petits teases, nous donner quelques informations sans vraiment tout dire. Donc, la définition d'un teaser. Et puis, David Johnston, voilà, donc, qui a parlé. Et puis, non, c'est cool, c'est vraiment cool. Je trouve que c'était beau. Et puis, de voir qu'un maillot soit donné de l'autre côté du stade, ça change. Moi, je suis dit, genre, c'est très, 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 très rare qu'on voit ça. Puis c'est bien. Si jamais vous entendez parler le gars qui a reçu le maillot de Donadel, donnez-moi son numéro, OK? Est-ce que Donadel a une performance pour qu'il fasse un jubilé comme Drogba un jour? Son but en lucarne, peut-être. Son but en lucarne. C'est vrai que son but en lucarne. Un but qui, bizarrement, dans la présentation sur l'écran des joueurs, on le montre pas. Je crois qu'on montre une faute qu'il fait, mec. C'est n'importe quoi. Faudrait vraiment parler au mec qui fait les vidéos. Non, mais la présentation, il a mis un but de malade. Elle date. On voit aussi, je pense, il y a l'image de Simon quand il fait une faute contre Pachuca, quoi. Donc, c'est juste, c'est pas encore à jour. À revoir. C'est une présentation sur l'année, je pense. Mmh. Donc, voilà. Trop cool. La bannière, là, pour venir là-dessus, c'est waouh. Sérieux, là. Quand j'ai appris ça, j'ai fait, c'est incroyable. Déjà, je la trouvais cool. Et puis, énorme. Moi, j'ai bien aimé, whatever. Patrick Leduc qui retweet la photo et qui la met en bas et qui fait « Je me disais, like you knew, but whatever ». Mais sinon, c'était… moi, j'ai bien aimé la… Il fait quand même les matchs de première ligue, hein, Pat. Hein. C'est vrai, mais genre, à ce point-là, t'es l'œil, genre, il va pas à Stamford Bridge. Hein. Genre, RDS, il paye pas le voyage. Donc, c'est pas un fan de Liverpool, lui, je suis sûr qu'il… En plus, donc, je sais pas, le nombre de fois qu'on le voit à la télé, le temps qu'on le voit… Arrête, Reg, toi, t'étais au courant qu'il y avait cette bannière. Oui, mais... Ok, moi, j'étais au courant qu'il y avait cette bannière. Patrick Leduc était sûrement au courant qu'il y avait cette bannière. C'est vrai. j'arrête. Il est tard. Bon. La vidéo dure trop longtemps. D'ailleurs, Pat qui a mis un 10 sur 10 à Didier dans son bulletin. Son premier 10 sur 10, je crois. C'est bien, ça, les bulletins de notes, hein, Reg? C'est pas mal, ouais. Oh, la flèche.
Non, non, mais je prends que des flèches, là, donc c'est cool. Non, c'est oh, bon. La flèche! Les gars, oh, les gars, merci pour cet après-match. Merci à tous. Merci, Sid, c'était très agréable. Fred, merci. Tout plaisir. Fred, sans chiffres, hein, c'est pas le même. Hein. Ouais. Ouais. Je vais m'en prendre. C'est un Donadel d'hier. Hein. Ok, donc parfait. Donc mercredi prochain, ouais. Vous Saputo d'or, les trous de Poutine, les gélères d'un foin, fact fiction. Donc les gars, bonne émission. Ouais. Merci Reg, merci Fred. Moi, je suis où, moi. Puis non, mais merci Mehdi, le premier avec ce maillot de Galatasaray, un original. Il a le maillot de Galatasaray, il a le maillot de Shanghai. C'est tout. L'impact. Un peu d'ivoire, mais si c'est. Donc voilà. Est-ce que t'as le maillot de Chelsea? Non, je l'avais, mais j'ai pas osé le garder dans mon placard. J'ai dû l'offrir à quelqu'un. Le numéro 15 en plus. C'est pas celui qui prend des photos avec les coupes de Chelsea. Le numéro 15. Qui va venir donner des. Bon, Sid, est-ce que t'as des comptes à régler, mec? Que tu veux qu'on en parle? Va voir la photo d'Arsène Wenger. Bon, ce soir, on partage la vidéo de la bagarre entre Edge et Sid. La page Facebook de Cannes Football Club. Il faut vraiment que tu ailles voir cette photo, montage d'Arsène Wenger. Puis voilà. Donc, merci les gars. Vous nous suivez sur Cannes Football Club, Cannes Foot Club sur Twitter, hashtag DebatSSF pour nous poser des questions. Puis, ben, je crois que c'est assez cool ça après match. On va essayer d'en faire. Ben, être plus court, hein, c'est un peu lâché. Mais c'est une drogbacité, quoi. Drogbacité. Il y avait une drogbacité. Jogba. Ah, c'est bon, les gars. Bon, c'est assez, là. Ciao, les boys. Bye-bye.